Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et Il veut cure heureux. Bonjour Déouda. Bonjour Lionel, bonjour chers internautes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, n'est-ce pas? Eh oui, nouvel épisode, nouveau thème et thème succulent. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes crises qui peuvent survenir dans un couple suite à la naissance du premier enfant. Un enfant est un sujet de joie, mais il peut aussi être sujet de crise. Qu'est-ce qu'il est important de savoir avant la naissance du premier enfant, pour ne pas tomber dans ces pièges, dans ces crises, pour pouvoir vivre un mariage heureux? C'est ce que nous allons aborder avec nos invités. Si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi, like, partage, attache ta ceinture parce que nous allons décoller. Et nous rendons grâce à Dieu car cette émission, elle est possible grâce à votre soutien et à vos dons. Donc vous pouvez semer pour Évangile TV dans le lien qui s'affiche sur la vidéo et qui sont en description dans la vidéo. Et nous nous retrouvons tout de suite après le générique. De retour sur le plateau pour votre rubrique Le Talk, nous allons aborder le thème en profondeur avec de merveilleux invités, Lionel. Oh oui, de merveilleux invités. Nous avons à nos côtés une délégation rennaise. Bonjour, pasteur Aïda. Bonjour, Lionel. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Peux-tu te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas ou ceux qui te connaissent aussi, s'il te plaît? Avec plaisir. Je suis donc le pasteur Aïda Moussavou, pasteur dans le ministère ACER, plus précisément à l'église de Rennes. Je suis auto-entrepreneur. J'ai lancé la plateforme Femmes de Splendeur il y a quelques années maintenant. Je suis mariée au pasteur Elvis, maman de deux enfants et écrivaine également. Donc mon livre, Il n'est pas trop tard. Amen. CV rempli, femme épanouie, femme entreprenante. C'est bon. J'aime tes rimes. Amen. Je fais du rap, c'est bon. Donc, à tes côtés, nous avons Estelle, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Bonjour Estelle. Bonjour Lionel. Peux-tu te présenter à nos internautes, s'il te plaît? Super. Ben, je m'appelle Estelle Soro. Je suis sage-femme de formation en exercice libéral à Rennes. Je fais partie de l'église ACER Rennes. Mes pasteurs sont le pasteur Elvis et maman Aïda, qui est ma mère spirituelle. Donc voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Amen, merci. Partagé. Nous profitons aussi de l'occasion de saluer les pasteurs de Rennes, donc le pasteur Dadier et maman Françoise. Coucou à vous qui nous regardez et aux internautes de Rennes. À ce Rennes, vous êtes bénis. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Donc, sans plus tarder, donc nous passons au talk. Ah. Comme on l'a vu, le thème du jour, c'est donc le mariage, enfin la grossesse et dans le mariage, hein, parce qu'on sait que les enfants finissent bien par arriver. Ah, heureusement. Amen. Et moi, j'avais une question pour toi, pasteur Aïda, et pour toi également, Estelle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important de parler de la grossesse avant la grossesse? Parce que on entend bien que voilà, la grossesse, ça se prépare, un peu comme le mariage. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne question d'ouverture parce que j'ai remarqué par ma petite expérience, déjà en tant que maman, mais aussi en tant que pasteur, que c'est un sujet méconnu. Disons que c'est vrai. Très souvent, c'est un sujet qui est tellement important, mais il n'est pas traité. Et pourtant, il est facteur de crise dans beaucoup de couples. Et je trouve que c'est important de pouvoir en parler dans le but de pouvoir apporter des éléments clés pour pouvoir apporter de l'aide, des réponses à des personnes qui ont même peut-être déjà des enfants, c'est ou bon. D'autres qui sont une femme peut-être qui est enceinte, qui nous écoute aujourd'hui et qui aura besoin de certains éléments pour pouvoir mieux vivre en fait le moment présent. Donc voilà, pour moi c'est très important pour pouvoir former, enseigner. Éduquer. C'est vrai. Et toi, Estelle, parce que tu es sage-femme de profession, donc en plein dans le thème. C'est ça, oui. Qu'en penses-tu? Alors, comme disait pasteur Aïda, c'est très important, en fait, parce que la grossesse, sous le plan même physique pour une femme et même pour le couple, c'est vraiment beaucoup de chamboulements, beaucoup de nouveautés.
Et déjà qu'on est un peu perdu avec son corps, alors si si on n'est pas préparé en fait à faire face à certains changements, même d'humeur, physiquement, voilà, et puis surtout pour pour les deux, hein, pas comme seulement la femme hein, et pas seulement aussi que l'homme, mais pour les deux, faut le vraiment couple, en fait, ouais, faut en parler. Ouais. D'accord. Estelle, t'as parlé de des modifications, on va dire physiques. En quoi comment on appelle, la grossesse peut être sujet à des crises, en fait. Parce que quand on veut se marier ou qu'on est en couple, on dit on va avoir des enfants, mais on rentre pas en profondeur, on parle pas de ces détails-là. Quels sont ces détails qui peuvent mener des crises dans le couple? C'est une très bonne question parce que en fait c'est vrai qu'on voit la grossesse, le ventre, c'est joli, voilà, c'est on beau. A les photos voilà les photos le shooting mais en fait derrière tout ça il y a vraiment un idéal et les femmes elles-mêmes disent je pensais pas que c'était comme ça. J'idéalisais beaucoup ce moment de porter un enfant et en fait avant même que le ventre ne pousse, il y a tellement de chamboulements les premiers mois, il y a déjà le fait d'avoir des nausées, des vomissements, d'avoir même des douleurs dans son corps au niveau de la poitrine, même au niveau du bas-ventre aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui s'expriment. Et des fois, on peut être mal comprise, jugée, de se dire oui, voilà, mais la grossesse, c'est pas une maladie. Alors que des fois, oui, au début, ça fait presque comme... On est malade. Oui, on est malade. Et nous, les hommes, on panique. Hein. On panique face à ça. On ne sait pas quoi faire. C'est vrai que ce n'est pas forcément toutes les femmes qui vont passer par là, il faut le dire aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des femmes, moi, je rencontre des femmes, premier mois de grossesse, oh waouh, mais je comprends pas pourquoi il y en a qui vomissent. Ah oui? Donnez-nous le secret, les femmes. Elles sont vraiment bien, mais il peut y avoir des femmes un peu comme moi, comme ça. Quand tu tombes dès le premier mois jusqu'au septième mois, moi ça a duré longtemps. Wow. Donc voilà, tu vomis, tu as des nausées, tu te sens pas bien, les maux de tête et tout. Et parfois, en fait, le problème, c'est que il y a un point qui est très important. Le mari, je trouve que c'est important de pouvoir le dire parce que tu disais tout à l'heure pourquoi ça peut être source de conflit, pourquoi on parle de mots. Je trouve que par rapport à ce qu'elle disait, parfois le mari, donc le conjoint, n'est pas forcément enseigné. Très souvent dans les couples chrétiens, faut le dire, on a les maris un peu beaucoup zélés là, ils vont commencer à dire non, c'est une question de foi. On va prier, on va intercéder. En fait, à la foi, faut seulement prier, déclarer, etc. Et en fait, c'est important de voir, en fait, je vois qu'elle regarde son mari. Il faut prier. Voilà. Donc, déclare la parole. On n'exclut pas la prière. Il faut prier et on est conscient que la prière est efficace. Mais il y a des chamboulements et moi je crois que les hommes doivent être formés. Souvent on dit la foi, mais je crois que dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5, la Bible va nous dire ajoutez à votre foi la connaissance. Et je pense que c'est important de pouvoir se former, de vouloir connaître davantage pour savoir ce qui se passe en fait réellement dans le corps de la femme à ce moment-là en fait. Waouh. Estelle, j'aimerais revenir sur un point. Vu que tu es dans le domaine médical, scientifiquement comment cela s'explique tous ces mots? Parce que Pasteur Aïda l'a dit, entre une femme à l'autre, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même grossesse. Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Oui, il y a une explication en fait. Quand une femme tombe enceinte, elle a des hormones et en fait les fameuses hormones. Il y en a plusieurs, mais il y en a une en fait au début de grossesse qui en fait sont le corps de la femme peut vraiment déclencher en fait ces maux comme les nausées, les vomissements, la salivation excessive et aussi les sautes d'humeur, de la mémoire, il y a plein de choses et c'est cette hormone elle est essentielle parce qu'elle permet au bébé en fait de bien s'accrocher dans l'utérus. D'accord. Sans ça en fait la grossesse ne peut des fois pas perdurer. Donc souvent on dit que c'est bon signe des fois d'avoir des signes de grossesse que la grossesse est bien en place. D'accord. Donc tout ça, tous ces mots sont dus, on va dire, aux hormones. Oui. Mais pour nous les hommes, comment faire face à ça en fait? Comme tu l'as dit, c'est des hormones, il y a des sauts d'humeur. Bah, Pasteur Ida l'a dit, nous les hommes, on n'a pas de formation. La plupart des hommes chrétiens, c'est je veux avoir un enfant. C'est tout quoi. C'est pas qu'il n'y a pas de formation. Il existe des formations. Ah, il existe. Il existe des formations. Wow. Il faut que les hommes chrétiens acceptent de pouvoir en fait se former parce qu'en fait je sais que moi quand j'étais enceinte ma fille on a proposé à mon mari de venir je crois rester en tant que sage-femme. On propose en fait au mari de venir en fait assister parfois pour comprendre en fait avoir un accompagnement. Il y a même des bouquins. Il y a des très bons bouquins, faits, ma grossesse, première grossesse, et puis tu lis. Et je sais que quand j'avais pour ma part conseillé à mon mari de le faire, Il a pu en fait aller commencer à lire des livres et il arrivait que parfois ils viennent me voir et qu'ils me disent ah d'accord, ok, je comprends mieux,
Parce qu'il était, il a fait l'effort de ne pas juste se limiter. C'est la foi, faut prier. Non, il est sorti de ça, en fait. Non, là, vraiment, je dois le dire parce que il y a trop de femmes chrétiennes que les maris traumatisent. Et on doit en parler aujourd'hui, là. Vraiment, il faut en parler parce que nous, les hommes, à part les formations, comment on dit, post-natales avant l'accouchement, on se focalise plus sur ça. Mais les 9 mois, on subit. À ma question, tu as parlé des livres. Les hommes peuvent se cultiver, peuvent se renseigner dans les livres. Mais est-ce qu'il y a une autre façon dont le mari peut s'impliquer et accompagner justement sa femme dans ce voyage? Parce que quelque part, la grossesse, oui, c'est vrai. C'est une aventure. En tout cas, avec Estelle, je pourrais compléter après. Du coup, en fait, dans le suivi de grossesse, en fait, il y a prévu, en fait, justement, la préparation à la naissance et à la parentalité. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment notre vocation, en fait, d'amener un couple à s'occuper d'un enfant. C'est vrai qu'on parle du mot de grossesse, de comment la grossesse va évoluer, mais aussi les soins apportés à la maman et au bébé. Et c'est vrai qu'on met vraiment l'accent sur le fait de prendre soin de la mère et de l'enfant. Donc, c'est super important, en fait, que le mari, en fait, vienne à ses cours. Oui. Qu'il ne se sente pas à part, qu'il puisse poser des questions. Que le mari vienne à ses cours. Voilà. Les gars, on est obligés. C'est important. Et puis de poser des questions, de pas se dire, c'est une affaire de femme, qu'est-ce que je vais faire là? Et c'est vrai que certaines sages-femmes ont fait même des cours spéciales hommes. C'est-à-dire qu'on invite des hommes sur un créneau horaire et voilà, ils se lâchent, ils parlent en fait de leurs craintes, de leurs peurs. Ah, c'est bien ça. Oui. Et ça aide énormément les papas, Et puis je crois qu'il y a aussi la communication. Le fait, par exemple, pour un mari, de beaucoup communiquer avec sa femme et de pouvoir en fait vraiment demander qu'est-ce que tu vis, parce que parfois vous savez les femmes c'est un peu bizarre, parfois on vit des choses mais on n'ose pas en parler avant qu'on vienne nous demander qu'est-ce que tu vis et parfois en fait faut pas hésiter à aller vers la femme demander qu'est-ce que tu vis. Et puis quand elle dit par exemple je me sens mal, ne pas directement dire oh, arrête-moi les caprices. Non. Peut-être que c'est vrai. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui font des caprices, hein, mais je dis que le fait de communiquer, je suis sûre que quand il y a une bonne communication, quand il y a une bonne harmonie dans la maison, déjà, c'est entraînant pour la femme, c'est encourageant de pouvoir, en fait, déjà être mieux pour vivre, en fait, la suite. Donc, je pense que l'une des manières pour pouvoir aider les papas, c'est vraiment aussi de pouvoir établir un contact très fort et régulier avec la maman. Wow. Ne pas se mettre dans un, bon, elle a son problème, moi, je me mets à part. Je pense aussi, ça, c'est mon avis d'homme, il faut faire preuve de beaucoup de patience aussi. Parce que quand tu viens, on parlait de communication, mais en fonction du taux d'hormones, la personne peut... Moi, j'ai suivi, je me suis dit, mais j'ai rien fait. Je viens me renseigner, je veux t'aider, mais derrière, tu me... Là, c'est compliqué. Parce que les hormones, ça peut rendre irritable, ça peut rendre... On peut pleurer pour rien. Et puis, parfois, ça a tendance aussi, les hommes, à un peu les agacer. Mais pourquoi tu pleures? Ils sont désemparés. Exactement. Et le fait de ne pas savoir aussi comment réagir, de ne pas savoir quoi faire, derrière, ils ont une attitude qui, parfois, peut blesser la femme. Et elle dit, mais finalement, je ne suis pas prise au sérieux dans ce que je traverse. Mais comment composer, vous en tant que femme, comment vous composez suite à ces, on va dire, les premiers changements? C'est ta première grossesse, ton corps change, il y a des choses que tu n'exprimais pas avant, les nausées, etc. Comment vous vous composez avec? En tout cas, pour moi, pour mon témoignage, parce qu'il faut parler de soi, ça parle toujours mieux. Quand j'ai donc été enceinte de ma fille, ça a été très difficile. Et je sais que j'avais beaucoup de maux, tout ce qu'on a dit là, les nausées, les vomissements. Et je vais encourager quelqu'un à ne pas faire comme moi. Pourquoi? Parce que moi, au départ, en fait, j'arrivais pas à mettre de mots. Et comme j'arrivais pas à mettre de mots, donc M-O-T-S, voilà, sur ce que je vivais, j'avais tendance à vraiment me renfermer. Je me renfermais, donc voilà, je parlais plus. Et comme tu le disais, mon mari pouvait venir vers moi, mais j'avais volontairement, rompu le dialogue, parce que ça me demandait trop d'efforts. En fait, j'étais vraiment irritable. Et ça me demandait trop d'efforts de parler de moi, de ce que j'avais. Et il faut pas faire ça. Parce que c'est vrai qu'on demande de venir vers nous. Donc quand on vient, on doit quand même faire l'effort de pouvoir parler. Donc moi, comment j'ai composé avec ça, c'est que, au départ, en fait, à un moment donné, j'ai dû me dire, non, c'est pas normal de bloquer le dialogue comme ça. Donc j'ai fait l'effort de pouvoir mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir. Ça a été vraiment une première étape très importante, qui est parfois négligée, parce qu'on se dit on est fatigué, on n'a pas envie de parler, mais pourtant il faut le faire. Et je sais que moi, ça a été vraiment un premier point. D'accord. Estelle, comment toi, ta première grossesse, comment tu l'as vécue? Ah oui.
Comment composer avec les maux de grossesse? Ben, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter aussi. Il faut beaucoup s'écouter. Pour le cas de ma grossesse, j'ai eu beaucoup de fatigue au début. Je dormais, mais je rentrais du boulot. La seule chose que je voulais, c'était même pas manger, même pas faire quoi que ce soit. C'était vraiment aller dans mon lit et dormir. Et je pense qu'il faut s'écouter. C'est vraiment... si vous avez besoin de dormir, dormez. Vous culpabilisez pas de rester toute la journée au lit. Et c'est vrai que dans un couple, des fois, l'homme peut se dire, mais elle dort trop. C'est vrai. Se lever, moins d'efforts, elle fait plus d'efforts. Pas dire tu es fainéante, mais dans la façon que c'est dit, mais tu fais que dormir, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut s'écouter. Ça me fait penser aux hommes qui disent, j'ai entendu ça, la femme, elle est fatiguée, elle dort beaucoup au début. Mmh. Dire, mais finalement, la maison, elle est moins bien tenue. Je me sens pas visée. Il y en a ceux qui vont plus loin. Il y a ceux qui vont dire, par exemple, la femme a peut-être du mal à maintenir la vie de prière qu'elle avait avant. Et puis, on a qui vont dire, je crois que j'ai épousé une grosse charnelle. Dieu merci, mon mari n'a pas fait ça. Mais vraiment, j'avoue que des fois, en tant que pasteur, on est confronté à des couples et tu entends vraiment des choses de ce genre-là. Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut, dire, quoi. Et moi, je pense que comment aussi on peut faire pour composer avec les mots-là, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Mmh. Et ça, vraiment, je veux mettre un point d'honneur dessus parce que il y a beaucoup de femmes et surtout les femmes chrétiennes, je sais pas pourquoi ça, j'ai ça à cœur. Parfois, en fait, on a peur, on n'ose pas montrer ce qu'on ressent de peur d'être taxé de femme qui n'a pas la foi. Vous voyez, et on est tellement dans une bulle en fait, donc on veut tout vivre nous-mêmes, alors qu'en fait on ne connaît pas ce qu'on est en train de vivre. Wow. Et je pense qu'il faut pas hésiter à faire appel. Il y a Estelle par exemple, il y a Sacha, il y a vraiment des professionnels d'aller dire voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est normal? Et je pense que le fait de pouvoir avoir des gens qui nous disent non c'est normal, mais après dire voilà comment on peut faire, ça peut aider. Même dans l'église, venir voir des pasteurs, aller voir des mamans qui sont passés par là. Mais parfois, on n'ose pas, et ça, c'est vraiment un danger. Et ça tue non seulement le couple, mais même en tant que femme, ça peut nous tuer à petit feu. Parce qu'on n'ose pas parler, parce qu'il faut toujours, surtout quand on est femme, exemple de pasteur, ou femme de responsable, il faut toujours montrer que tout va bien. Et moi, je suis, tout est top, et moi, j'avoue que je suis un peu contre un peu cette image de, c'est pas bon, en fait. Je pense qu'il faut oser. J'aurais aimé aller plus loin parce qu'on a parlé de la grossesse, mais est-ce qu'on peut parler de l'accouchement? Parce qu'une fois qu'on est en phase de travail, ça s'appelle comme ça, qu'on est en phase de travail et que l'accouchement est déclenché, le travail est déclenché, le pendant et l'après, justement, ça peut aussi créer des crises dans le couple. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Estelle? C'est Estelle comme ça. Ah oui, l'accouchement. Déjà, c'est déjà l'événement de l'accouchement lui-même est pas des fois pas facile pour le couple. Faut dire que l'homme puisse aimer les hôpitaux, l'ambiance de l'accouchement. Et après, c'est vrai que nous, les femmes, on passe par des moments où, en fait, dans notre corps, on est un peu meurtri, entre guillemets, avec, par exemple, une déchirure, une épisiotomie. Des fois, le corps aussi change parce que, c'est vrai que la grossesse, souvent, on pense au ventre, il est beau, le ventre, mais après, l'accouchement, les flasques. Voilà. Flasque, vergeture, cellulite. Voilà. Et ça, les hommes aussi doivent être préparés à ça, parce que des fois, ils déchantent sur la roue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Non, mais j'ai changé de femme. Non, c'est la même, mais des fois, c'est un peu délicat. Et nous, déjà, dans notre propre corps aussi, ça peut aussi choquer. Ça peut, des fois, on n'est pas préparé, on se dit, et puis, les kilos aussi en trop pendant la grossesse. On réalise pas, on est en plein dedans, on est dans l'euphorie, puis après, je connais une femme qui a pris 27 kilos après, pendant la grossesse et après. Wow. Et donc, elle se retrouve, forcément, le mari qui ne l'a pas épousé avec 27 kilos, se retrouve un peu, comment le couple va continuer. Et ça, faut le dire, ça entache même tout ce qui est la sexualité et tout. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très compliqué. Et à un moment donné, la femme se retrouve à elle-même gérer avec ses kilos. Le mari qui pouvait avoir des réflexions du genre « Oui, mais bon, j'ai pas épousé une patapouf et tout. » Enfin, c'est des choses vraiment à éviter, fait. Et quand j'ai parlé des mots, tu as parlé de l'épisiotomie et tout. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est la césarienne. Ça aussi, il faut en parler. À titre personnel, j'ai accouché mon fils Eden par césarienne et c'était pas prévu. C'est-à-dire ça aussi, c'est-à-dire qu'on prend pas le temps de se préparer aux éventualités. C'est vrai que c'est pas la norme, normalement on doit accoucher, mais il y a des choses qui peuvent se passer le jour de l'accouchement. Par exemple, dans mon cas, moi, mon fils était en détresse fœtale, je crois qu'on dit comme ça, respiratoire et tout. Et donc sur le moment,
on m'annonce alors que c'était pas prévu, que vous allez accoucher par césarienne. Donc ça crée aussi un choc. C'est vrai que les hommes, eux, ils vivent au-dedans. Donc ils montreront pas de la même façon, mais il faut être préparé dans le sens de dire en fait que, enfin pas prédire que ça va arriver, mais se préparer dans le sens de comment je réagis si par exemple on me dit qu'elle aura une épisiotomie. Pour ceux qui savent, est-ce que tu peux expliquer peut-être c'est quoi Une épisiotomie, c'est une intervention médicale, je dirais pas chirurgicale parce qu'elle est pas vraiment profonde. En fait, c'est plutôt que de laisser en fait le périnée, en fait la partie où le bébé sort se déchirer naturellement et être compliqué, ce qu'on appelle des déchirures complètes. On préfère faire une petite incision, nous les sages-femmes ou le gynécologue, pour éviter que ce soit la catastrophe avec après. Avec anesthésie ou pas normalement, si tu prends la péridurale, oui, tu ne sentiras pas. Mais en général, tu sais, la douleur des contractions, c'est tellement intense qu'en fait, tu ne sentiras pas. Donc, voilà, c'est ça, une épisiotomie. Donc, c'est ça, en fait, ça peut vraiment arriver. L'épisiotomie, moi, je connais des femmes qui ont eu ça. Et comme tu disais, tu parlais aussi de l'après. L'après est très compliqué parce qu'après, quand tu as été recousu, etc., il faut du temps, voilà, à tout le muscle, là, de pouvoir se remettre bien en place et tout. Donc, voilà, césariennes sont des imprévus. Mais voilà, qui peuvent vraiment venir créer des temps très difficiles, des crises pas possibles, parce qu'après une césarienne, à titre personnel, moi j'ai eu très mal. Tu as vraiment très 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 mal. Il y a des femmes qui te disent qu'après 3 semaines ou 2 semaines ça va. Il y a des femmes qui, comme c'est moi, après un mois ça va toujours pas. Donc tu es obligée vraiment de pouvoir voilà composer avec tout ça en fait. Et compter surtout sur la faveur de Dieu. J'allais dire sans compter le fait qu'on doit s'occuper d'un bébé quelque part en fait. Et ça rajoute, non mais c'est vraiment un challenge. Ça nous rajoute à la fatigue, à la douleur qu'on a. Nous on a un enfant à s'occuper et cet enfant en fait nous demande du temps, nous demande de l'attention. Et parce que là c'est ton deuxième enfant que tu as eu par césarienne et le premier par voie naturelle. Voie naturelle. D'accord. Donc tu as eu les deux expériences. Les deux expériences. Alors que je suis partie, pour moi c'était encore voie naturelle et arrivée complication. Et si vous permettez, j'ai vraiment envie d'encourager vraiment ces femmes là qui passent par des temps difficiles parce qu'elles ont vécu une césarienne qui n'était pas prévue, ou même qui était prévue mais qui s'est peut-être pas bien passée. Après il y a des douleurs dans le corps et elles ont vraiment un enfant, elles doivent s'occuper, elles se demandent mais comment je vais faire. J'ai vraiment envie de déclarer dans vos vies que Dieu vous donne la force nécessaire dans le nom de Jésus pour vraiment déjà réaliser que vous êtes des bonnes mamans. Vous n'êtes pas une mauvaise maman parce que vous avez eu une césarienne, ça dépend pas de vous. Ne vous dites pas non, j'ai pas la foi. N'acceptez même pas qu'on vous dise vous n'avez pas la foi parce que vous avez accouché comme ça. Dites-vous en fait, ok, c'est arrivé, mais c'est pas une fatalité. C'est mon expérience à moi. Je vais me saisir de ça pour encourager d'autres femmes, pour aller encore de l'avant et vraiment que Dieu vous fortifie. J'ai envie de dire à une mère, tu es une excellente maman, tu es une excellente épouse et que le Seigneur t'aide vraiment à pouvoir te relever. Amen, amen. En tout cas, je suis entouré de belles femmes, mais les hommes, je pense à vous. Tout ce que vous avez dit, c'était édifiant, mais la part de l'homme. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié seul. Comment nous, les hommes, on peut vous aider dans cette période avant l'accouchement, on va dire, du début de la grossesse jusqu'au moment de l'accouchement, en première partie. Comment l'homme peut vous aider, vous soutenir? Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, pour vous soulager dans ces moments-là? Ben, je pense qu'il doit être à l'écoute. D'accord. Il doit être à l'écoute. Tout à l'heure. Oui, on avait déjà dit. À l'écoute et se rendre être au service. C'est-à-dire, vraiment être au service, petit c'est massage, fort. Qu'est-ce que tu as envie de manger, ramener l'envie que sa femme a besoin après l'accouchement, s'occuper du bébé, soulager en fait. C'est dans le cas de césarienne, des fois on n'arrive pas à bien bouger, à bien se mobiliser. Même pas à se lever, hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup, le mari, il est vraiment là pour vraiment s'occuper du bébé, mais aussi de la femme, faire les tâches ménagères. Tu parlais de la maison en cas de fatigue, les tâches ménagères, préparer le repas, parce qu'il ne faut pas oublier de manger aussi dans cette période-là. Donc, il y a plein de petites choses qu'il peut faire. Mais en fait. Pour le repas, ça dépend, parce que moi je prends mon cas, tu vas faire à manger, elle dit que c'est bon, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de manger. Il y a, comment on appelle, les envies des femmes enceintes. Moi, pour ma part, j'ai subi. Hein. Madame, à un moment, elle me dit, je veux manger des pastèques. Je dis, on est en confinement. Où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai dû faire quoi, 3 heures pour trouver une pastèque. Et au final, elle n'a pas mangé. Il a quitté le 92 pour aller à, c'est quoi, Poissy, c'est ça? C'était à Poissy. Non, mais en fait, on ne peut pas expliquer. En fait, quand l'envie, elle vient, ça vient, on dirait une drogue. Bon, je me suis jamais drogué. Ça vient comme ça avec une telle force. Et franchement, c'est pas évident. Mais tu parlais de comment, en fait, les hommes. Et c'est vrai que
j'ai envie d'encourager aussi les hommes. Ah, pourquoi? Merci. Parce que c'est vrai que c'est une période en fait qui n'est pas facile et c'est important que les femmes aussi puissent comprendre que surtout quand c'est un premier, l'homme aussi est en train d'apprendre. Parfois les hommes, c'est vrai qu'ils vont pas l'exprimer comme les femmes, mais des fois c'est très difficile aussi pour eux parce qu'ils comprennent pas tout d'un coup la maison qui était paisible devient un peu la femme est fâchée, la femme elle a pas envie de parler. Bon, t'évites même de dire un mot parce que tu te dis si je dis ce mot-là et que je pensais bien faire qu'il est de travers, ça va créer une guerre froide ici. Donc en fait, c'est vraiment pour dire aussi aux femmes de faire des efforts. Et de surtout comprendre que l'homme est en train d'apprendre aussi. Quand il montre en fait le désir de vouloir apprendre, n'allons pas non plus le choquer, n'allons pas non plus arriver. Ah, parce qu'au bout d'un moment, lui aussi, il va se recroqueviller, il va se dire mais voilà, j'essaie de faire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. J'apporte ça, c'est pas bon. Donc vraiment, chers hommes, vous aussi, soyez courageux. Mais les femmes, aidez les hommes aussi à pouvoir progresser dans leurs petits efforts. C'est vrai, il faut être courageux. Parce que moi, je me souviens, tu te maries au départ, vous êtes deux. Tu dors d'une certaine manière, mais une fois que la femme est enceinte, tu dois pas trop bouger, tu peux plus dormir comme tu veux. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vas aller dormir au salon, tu dis non, tu restes là. Tu dis, mais... Et surtout aussi le jour de l'accouchement, ce qui était drôle, moi je me rappelle, c'est avant d'aller à l'accouchement, il y avait la sage-femme qui avait dit à mon mari, je vous donne un conseil, le jour-là ne parlez pas trop. En fait, des fois en tant que femme, on n'aime pas trop qu'on a la douleur et que le mari soit là, ça va aller. Tu sais, quand tu touches un peu trop fort. Ah, après, oui. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui peuvent vraiment aimer, mais je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas trop le contact comme ça au moment où il y a beaucoup de douleur. Et je sais que moi j'avais personnellement dit à mon mari, le jour-là. Je préfère pas que tu me demandes toutes les questions du type ça va. Non, en fait ça ne va pas. En fait, on essaie de bien faire quand même. On se dit on vous voit souffrir. C'est ça va. Non, ça ne va pas en fait. Donc à la limite. Et pour le deuxième, du coup, quand j'avais les contractions, il me regardait juste. D'accord. Il n'osait plus trop. Tout ça c'est dans le regard. Ça c'est dans le regard. Waouh. Et vraiment c'est ça quoi. Non mais c'est pas facile pour vous les femmes, mais pour nous les hommes aussi, parce que on vous voit. Moi je vois ma femme. Les contractions quand on amène l'aiguille pour te faire la taille de l'aiguille, je regarde, je dis plus. Non mais on a la pression quand même. On se dit. Moi j'aime pas regarder l'aiguille là. Je sais pas quoi. J'ai préféré ne pas regarder pour pas voir ce qui allait rentrer dans mon dos. Donc je me suis juste dit ne me montrez pas l'aiguille. Dites-moi quelle position adopter. Je le fais le dos là et vous me piquez. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les hommes. C'est pas facile. C'est très difficile. On a été bénis par ces échanges. Hein. C'était très édifiant, ces échanges. Merci à chacune de vous. J'espère que vous avez été bénis, vous aussi, chers internautes, parce qu'il y a eu de la matière et c'est des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder. D'aborder, c'est vrai. Exactement. Et c'était au top. Et nous allons poursuivre. On ne va pas s'arrêter là en si bon chemin. On se retrouve après la pub pour la suite. Retrouvez le livre « Se préparer à réussir son mariage » écrit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Disponible sur Amazon en version numérique et papier. De retour avec vous, chers internautes, et nos charmantes invitées pour approfondir ce thème qui est très, 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 très large et sur lequel on a beaucoup à dire, et c'est ce que nous allons faire justement. Effectivement, franchement, avec tout ce qu'on a dit en première partie, si j'avais ces infos pour le premier, je crois que je me serais mieux en sortir. On dit tout ça, on dit tout ça. Alors, nous avons parlé de la péridurale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. J'aurais dû faire des études en médecine. Mais pouvez-vous nous en dire plus? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont des appréhensions par rapport à, je sais pas, technique, procédé, méthode. Et l'aiguille. Hein. Oui, il y a la taille de l'aiguille, là. Alors, c'est vrai que l'aiguille, elle est fine et très longue. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il faut, il y a un endroit bien précis. Cet endroit justement est assez long, mais vous inquiétez pas, on touche pas la moelle épinière, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées perçues qui est quoi en fait qu'on va toucher en fait cet endroit là et en fait qu'on risque des paralysies et certaines complications. C'est vrai que j'ai eu le témoignage d'une de mes patientes qui est venue exprès accoucher à Rennes parce que dans son pays en fait qui était sur le continent africain qui avait pas mal d'erreurs médicales et que ça lui faisait peur. Après ça en fait elle était venue exprès. Elle était venue exprès. Waouh. Mais en réalité on ne touche pas cette zone-là. On ne touche pas la moelle épinière. Après, c'est un anesthésiste qui procède. Exactement. Voilà, un bon anesthésiste. On ne dit pas qu'en Afrique, il n'y a pas de bons anesthésistes. Oui, non, c'est pas ça. Oui, voilà, il y en a des bons, mais c'est juste que ce sont des erreurs qui arrivent. En tout cas, un bon anesthésiste, il connaît son métier. Du coup, il n'y a pas à avoir peur de cette
acte. Oui, c'est ça? Exactement. Bah, après, je pense que les raisons de la peur sont diverses et variées. Mm-hmm. Voilà, il y a le côté où des fois on a peur de la douleur parce que certains regardent la taille de l'aiguille. Mm-hmm. Donc on se dit waouh, ça va me faire quoi de me piquer avec cette aiguille-là? Mm-hmm. Et puis par exemple, en fait, pour mon cas à moi, la péridurale n'a pas marché. Ah. Oui. Pour le premier ou le deuxième? Les deux. Waouh. Ah, bon. Le deuxième, un peu plus. Le chèque, par exemple, en fait, ça aussi, faut le dire. Parce qu'en fait, normalement, la péridurale, ça marche. Maintenant, pourquoi ça marche pas? Peut-être que je pourrais nous le dire. Mais après. Déjà, c'est quoi la péridurale? Elle sert à quoi? Faut expliquer déjà. Alors, la péridurale, en fait, c'est une méthode médicale pour diminuer la douleur. D'accord, ok. C'est pas que des douleurs et la contraction. Mm-hmm. L'idée, c'est pas complètement d'effacer. Alors, bien sûr, si c'est très bien dosé, on ne sent pas la douleur, mais on peut sentir les contractions. Mm-hmm. Parce que sans contraction, on peut pas aussi, ressentir les contractions, on peut pas bien pousser. Mm-hmm. Donc, faut trouver le juste milieu. Et justement, l'anesthésiste, il fait le bon mélange pour qu'au moment du travail, en fait, ben, la femme puisse sentir ce qu'elle fait aussi au moment de mettre au monde son bébé. Okay. Voilà. Parce que moi, dans mon cas à moi, pourquoi ça n'a pas marché? Ça, je l'ai su après, on en avait parlé. Je sais que c'était, quelqu'un qui était en formation, hein, qui me l'avait d'abord posé. Voilà. Donc, franchement, j'avais encore mal. Ouais. Tout ce qu'on me demandait, c'est froid, c'est pas, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. La douleur est là. Énormément mal et tout. Jusqu'à ce que, être ouverte à 7 doigts, je crois, parce que comme on sait qu'on doit accoucher, il y a une ouverture du col qui est progressive. D'accord. Et je sais qu'à un moment donné, ils sont venus dire, on n'aura pas le temps de reposer la péridurale, vous allez devoir accoucher. Voilà, wow, respect. Donc, tu l'as fait? Je voulais rebondir. Oui, effectivement, c'est vrai. Quand tu dis en fait que il y a un temps en fait pour avoir un délai en fait d'installation, des fois ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de poser la péridurale en fait. Il faut combien de temps? Pas le temps de poser, mais le temps que ça fasse effet, parce qu'en fait ça agit pas tout de suite, il faut attendre 15-20 minutes pour que ça agisse. Mmh. Et des fois la dilatation est telle et que la descente du bébé est tellement rapide en fait qu'il y a pas le temps. En tout cas, moi, je sais que j'avais gardé un très, très mauvais souvenir de mon premier accouchement, parce que du coup, quand tu fais ton cours de préparation à l'accouchement, on te parle du fait qu'il y a la péridurale. Il y a des femmes qui, dès le départ, ne veulent pas, mais que quand la douleur les prend là-bas, elles veulent. Il y a celles qui ne veulent pas jusqu'au bout, j'en connais, qui accouchent sans péridurale. Mais moi, mon choix dans mon projet médical, je voulais la péridurale. Donc, je me suis préparée psychologiquement à avoir la péridurale. Donc, quand j'arrive ce jour-là, on me dit, vous devez attendre encore un petit peu. Ouverture 4 doigts, on me dit, la péridurale va arriver. Je me dis, gloire à Dieu, le soulagement. Sauf que je suis pas soulagée. Donc, jusqu'à la fin, j'ai accouché en fait comme si j'avais pas eu de péridurale. J'ai vraiment tout senti, tête de mon enfant passée, les cheveux, les bras, vraiment j'ai accouché. Et ça a été très difficile. Donc plus il y a de l'ouverture, plus les douleurs s'intensifient, ou ça n'a aucun rapport? Oui et non. C'est-à-dire que dès le début, en fait, tu peux avoir des contractions qui n'ouvrent pas du tout ton col, qui te font mal. C'est ce qu'on appelle le faux travail. Et après, c'est vrai que vers la fin, parce qu'en fait, c'est 10 cm, en fait, le maximum. À partir de 7 cm, ça commence vraiment à faire très, très mal. Et il y a des femmes qui ont mal avant. Hein. Oui, c'est y a ça. Il y a des femmes qui ont mal avant, parce que moi, je sais que je suis arrivée, on m'avait dit que j'étais à deux doigts, comme ça. Hein. Mais j'avais déjà mal. Hein. Quand je suis arrivée, en tout cas, moi, là, d'entrée de jeu, direct. Ça fait mal. Hein, mais moi, il y a quelque chose qui me taraude un peu. Quand on arrive dans les hôpitaux, on voit d'autres couples. Par exemple, nous, il y avait des messieurs, quand on discutait, ils me disent, ça fait 24 heures que je suis là. Je dis, elle n'a pas encore accouché. Je dis, mais comment on explique ce phénomène? Il y a des femmes avec qui ça va être rapide, avec péridurale ou pas, mais il y a d'autres, malgré la péridurale, elles font 24 heures. Ça prend du temps. Mais est-ce que la péridurale est censée, ralentir le travail? Accélérer. Accélérer. Pas forcément. Ça dépend des femmes. Des femmes? En fait, des fois, le col, en fait, il faut... Des fois, quand t'as mal, t'es tellement crispé que le col aussi, il a du mal à se détendre. D'accord. Donc, il y a des femmes, quand elles mettent la péridurale, en fait, ça te soulage tellement dans ton corps que le col aussi, il se relâche. Mmh. Et à contrario, d'autres femmes, elles sont à fond dans leur travail et hop, dès qu'on va mettre, ça calme les contractions. Du coup, ça enlève les contractions. Ça dépend vraiment de chaque femme. Mais si on est crispé, des fois, on empêche le col de s'ouvrir, en fait. Ouais, ça, c'est vraiment encore une autre émission. Une autre émission. Tellement la péridurale, il y a beaucoup à dire. OK. Ouais. Donc là, madame a couché. Mm. On rentre avec l'enfant à la maison. Donc, on a dit le mari, il faut qu'il se prépare, il faut qu'il aide son épouse. Donc, changement des couches, c'est une nouvelle vie, en fait. Mm-hmm. Mais donc, il s'est préparé à cela, il faut de la patience. Mm-hmm. Ma question, ce sera en deux parties. Une première partie, c'est OK, on rentre avec l'enfant. Quel est le rôle du père?
Parce que la mère, on sait que c'est déjà allaiter l'enfant, s'occuper de l'enfant. Mais le père, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider la maman qui a encore cette douleur-là, qui doit aussi s'occuper de l'enfant? Bon, après, moi, je dirais que le rôle de la maman, c'est pas qu'allaiter l'enfant. Parce que si elle allait pas... Une je sais pas de quoi on parle. Voilà, je pense que quand les parents rentrent à la maison ensemble, le rôle du père, selon moi, dans un premier temps, va être de pouvoir, en fait, apporter sa contribution sur les tâches basiques pour aider, en fait, la maman qui du coup, est quand même fatiguée, hein, parce qu'un accouchement, ça épuise, à pouvoir vraiment récupérer progressivement. Après, faut pas aussi perdre de vue que les papas aussi peuvent être fatigués parce qu'on n'a pas abordé l'étape de la maternité ou les nuits blanches, le bébé n'a pas encore son rythme et tout, et souvent, le papa va aider la maman pour que la maman se repose. Donc, quand il rentre, en vérité, le couple est fatigué. Souvent, on dit la maman, mais le couple est fatigué. Donc, je pense que l'un des rôles, c'est vraiment d'aider dans les tâches de la vie quotidienne, aller faire les courses, aider, comme tu disais, changer les couches, etc. Et puis, trouver l'équilibre ensemble, en fait. Trouver au fur et à mesure les habitudes, voir comment l'enfant dans la maison occupe son espace, parce que finalement, quand l'enfant arrive, quand on rentre à la maison, tout s'arrête. On vit au rythme de l'enfant. L'enfant pleure, tout le monde est debout. L'enfant dort. Donc, franchement, c'est toute une étape, une réadaptation, en fait. C'est tellement important, cela. Donc, la deuxième partie de ma question, c'est sur le plan sexuel. Madame a couché. Très bonne partie. Alléluia. Les hommes, mettez. Comment reprendre une vie sexuelle après cela? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des formations? Il y a pour les femmes? Il y a des formations pour reprendre? Non, mais moi, j'entendais ma femme disait éducation du périnée. Éducation du périnée. La rééducation. Merci. On éduque et rééduque. Mais au moins, il y a la connaissance. Il faut la connaissance. Tu vois, comment on fait face à cela, en fait? Madame, elle a accouché, c'est qu'il n'y aura pas de rapport sexuel immédiatement. Comment ça se passe? Déjà, juste avant de laisser Estelle, qui va pouvoir mieux expliquer tout ce qui est rééducation, c'est une très bonne question. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de papas, hein, de pères, qui ne sont pas préparés et qui ne savent pas que on ne reprend pas la vie sexuelle 2 jours après un accouchement. Parce qu'il y a beaucoup de modifications qui s'opèrent dans le corps de la femme. Il y a quand même un bébé qui est passé, hein. Donc, il y a beaucoup de choses, elle va en parler tout à l'heure, qui doivent se remettre en place. Et il y a des pères. Moi, il m'est arrivé, pour la petite anecdote, d'avoir un papa qui vient de me voir et puis il est fâché avec sa femme, très en colère. Et quand je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais en fait, elle a accouché, ça fait 1 semaine. Et 1 semaine, on n'a toujours pas de rapport. Et je suis obligée de dire, Pasteur Elvis, tu peux venir faire un rendez-vous pastoral pour expliquer que c'est pas après 1 semaine que le corps se remet en place. Il y a un délai, en fait, pour pouvoir reprendre. Donc là, je pense que celle pourra mieux expliquer médicalement ce qui se passe J'aimerais préciser, parce que tu dis que le corps ne se remet pas tout de suite. On m'a toujours dit, de la même manière que le corps a mis 9 mois à changer, en fait, et ben, il faudra autant de temps à la femme pour retrouver son corps d'avant. Nos mamans africaines, là, aussi, c'est exactement. Et pour la vie sexuelle, ben, généralement, il faut attendre aussi que, on peut considérer qu'il y a... Non, mais c'est là. 9 mois, ça abusait quand même. C'est rien à partir. Mais après, pour défendre ces hommes-là, je me dis, moi, je vois sur certains forums, il y a des femmes qui disent au bout d'une semaine, elles donnent des techniques, ouais, l'eau chaude et tout, au bout d'une semaine, elles sont opérationnelles. En tout cas, t'as été voir les forums. Il faut se renseigner. On a parlé de formation. Ajouter à votre foi la connaissance. Voilà, il faut se renseigner. En tout cas. Et donc, Estelle, si tu peux répondre scientifiquement, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que la rééducation périnée commence à peu près 6 à 8 semaines après l'accouchement. Waouh. Et je pense que si on a prévu ça comme ça, c'est que quelque part, le corps doit se remettre un peu en place naturellement. Après un accouchement, comme disait Maman Aïda, en fait, il y a quand même, par voie naturelle, il y a quand même un bébé qui est passé, en fait, par cette zone-là. Et il y a les hormones de grossesse aussi, parce qu'en fait, les hormones de grossesse relâchent, en fait, les muscles, les ligaments. Donc, il faut que tout se resserre, en fait. Il faut d'abord éliminer les hormones de grossesse, retirer un peu cette élasticité et que le corps reprenne un peu de tonicité. Et ça, il faut à peu près un mois et demi, en tout cas. Et puis, ça dépend si t'as, comment t'as accouché. Comment ça aussi, il faut vraiment bien le noter. Si t'as accouché par, il y a une épisodotomie, où il a été déchiré, il faut que la blessure cicatrise. Si t'as eu, une césarienne, il faut que tout se remette en place. Donc là où celui qui a accouché, enfin la femme qui a accouché normalement peut-être faire 2 mois, 1 mois et demi, bon peu importe.
Ben, il y en a, parfois, ça sera 3 mois. Mmh, par contre, moi, je sais que souvent, j'encourage, donc là, je parle vraiment aux femmes qui me regardent. C'est pas conseillé non plus de laisser le mari là, 7 mois, 8 mois. Alléluia. Il n'a qu'à tenir, non. Merci, Pasteur. Là, il y aura trop d'infidélité, là. C'est pas bon. Faut pas aller sur ce terrain-là. Quand on peut, en tout cas, quand on est malade, qu'on n'a pas le choix, on essaie de faire avec, mais quand c'est juste de la peur, de la fatigue, au bout d'un moment, faut un peu quand même se dire, lui aussi, il en a besoin. Dieu l'a créé. C'est un besoin physiologique. Il faut qu'il puisse avoir un rapport avec ça. Moi, je l'ai dit, Paste, profite de donner des astuces hein, pour soulager les hommes. Pour aider la vie sexuelle après, c'est ça, après un accouchement. Des astuces. Oui, des astuces pour les internautes qui nous regardent et qui sont dans cette situation, qui sont coincés, qui ont mal. Comment est-ce qu'ils font? Je pense que l'une des premières choses, parce qu'au départ, ce qu'on peut conseiller, en tout cas avec mon mari, lorsqu'on suit les couples, on dit que parfois, en fait, le rapport sexuel, c'est pas forcément que la pénétration, en fait. Donc, on peut conseiller de commencer par tout ce qui va être parfois des préliminaires, voilà, des choses un peu comme ça. C'est encore un autre sujet qui pourrait être loin. Mais tout ce qui va être préliminaire, etc., pour essayer déjà de se remettre petit à petit dans le bain, parce qu'il y a certaines femmes, après l'accouchement, elles savent même plus ressentir du plaisir. Elles sont fatiguées, tellement elles sont épuisées. Ton mari peut venir avec les mêmes techniques d'approche qu'avant, tu ne ressens plus rien. Démodé. Donc, il faut rééduquer, en fait, aussi chez certaines femmes, hein, pas toutes. Faut rééduquer aussi, donc c'est important de commencer aussi par là. Et puis aussi que la femme, bon après chaque couple est différent, donc il faut prendre le temps en fait de savoir aussi comment faire avec ton mari à toi spécifiquement pour qu'il puisse bien sûr en fait pouvoir arriver à une satisfaction s'il n'y a pas pénétration. Exactement. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur ce que maman disait en fait sur le fait des sensations. J'ai eu il y a pas longtemps une patiente qui me disait que après l'accouchement de son deuxième enfant, elle avait perdu toute sensibilité. Et en fait, il y a un moment donné où c'est du médical, où il faut pas hésiter à en parler. Ben, déjà, elle m'en a parlé à moi en tant que sage-femme. Mais comme je suis pas, c'est vrai qu'on a des approches de sexologie, mais il y a des médecins spécialisés là-dedans. Il y a des femmes qui ont soit, en fait, c'est ce qu'on appelle une béance vulvo-vaginale, qui fait, en fait, qu'elles ont plus de sensations parce que c'est trop relâché. Et mais elle, c'est pas son cas, en fait. Elle a perdu toute sensibilité. C'est comme si, en fait, elle sentait vraiment plus rien. Du coup, je lui ai conseillé, en fait, de voir un médecin sexologue pour en parler individuellement. Et aussi en couple pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution. J'allais rebondir dessus parce que je trouve que c'est très important au niveau de la perte de sensibilité que des fois les hommes vont dire finalement ma femme elle ressent plus rien, est-ce que c'est moi? En fait, oui, le truc c'est pas vous, ça n'a rien à voir avec vous. Pas toujours, ça on n'a pas l'information nécessaire. Ajoutez à votre foi, ça sera le verset clé. Amen, amen. Moi, il y a un terme aussi qui me revient, c'est baby blues, je crois. Qu'est-ce que c'est et comment reconnaître qu'on est dans cette période-là, en fait? Alors, le baby blues, en fait, c'est, comme c'est bien dit, en fait, c'est une tristesse qui vient. Alors, des fois, c'est mélangé avec un côté, un moment donné, je suis triste, un autre moment, je suis contente. Et en fait, il y a un peu cette dualité. Il y a beaucoup de questions qui remontent. Est-ce que je serai une bonne maman? Est-ce que La culpabilité. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Alors, d'où ça vient? En fait, il y a un côté aussi physiologique. C'est le corps, en fait, qui élimine les hormones. Et en fait, ça fait tellement une cascade, en fait, dans le corps de la femme qu'au niveau aussi de ses émotions, ben, ça chamboule tout aussi. Et il y a aussi toutes les femmes ne commencent pas pareil aussi au niveau de leur vie. Ça dépend des traumatismes qu'on a eu dans l'enfance, dans l'adolescence, de sa sexualité avant, de son rapport avec ses propres parents. Souvent aussi, c'est le rapport avec sa propre mère, son propre père. Vu qu'on est des nouveaux parents, en fait, ça renvoie en fait, voilà, à cette image-là. Et donc c'est ça le baby blues. Après, voilà, c'est les signes. Ça peut aussi être des choses que tu n'arrives pas à faire. Par exemple, crée en toi cela. Par exemple, une maman qui veut allaiter, qui a prévu d'allaiter, et quand l'allaitement a du mal à se mettre en place, donc elle voit l'enfant qui pleure, qui a du mal et tout, ça peut créer en elle, en fait, une certaine culpabilité. Et ça va créer, comme elle disait, en fait, ce sentiment de baby blues, entre autres. Hein. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Comment aider les couples qui se retrouvent dans cette situation? Moi, je peux proposer, je sais que moi, je suis passée par là. Je pense que je suis passée par beaucoup de choses. Parce que Dieu voulait que je témoigne et travailler. Donc après, ma fille. Et je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment le fait de pouvoir, en fait, être accompagnée et pouvoir en parler. Je sais que j'avais appelé Pasteur Tina. Voilà, qu'on connaît et tout. Et qui m'avait donné beaucoup de conseils. En fait, le fait d'être écoutée. Parce que parfois, le baby blues, en fait, vient aussi qu'on a l'impression que on n'arrive à rien faire. Mais qu'il y a personne aussi pour nous dire non, tu es une bonne maman, etc. En fait, le baby blues, je sais pas si c'est des médicaments, je pense pas. Je pense vraiment que c'est beaucoup le fait que la femme soit dans un cadre où elle se sent à nouveau en fait rassurée. Le fait de
pouvoir te dire que tu es une bonne mère, que tu fais des bonnes choses. Je sais que ma sœur Tina me disait beaucoup, elle me donnait des conseils, parce qu'on est là aussi, comme elle avait accouché avant moi. Et ça m'a beaucoup aidé à reprendre, à savoir que peut-être que j'arrive pas telle chose maintenant, mais c'est pas une fatalité. J'arriverai demain. Et vraiment, cet accompagnement-là, c'est vraiment pour moi les 90%, quoi. Ah oui, c'est super important, ce que tu viens de dire. Ça me fait penser, avant d'engager ma question à SL, tant que je suis, je vais le faire. Bellilou, vous avez dépression postpartum, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux éclairer avant que je rebondisse, s'il te plaît? D'accord. Donc, le baby blues, ça dure à peu près une semaine. C'est vraiment les premiers jours, le pic qui est autour de 3-4 jours. Souvent c'est à la maternité ou sinon on rentre à la maison et c'est plus les, on va dire que c'est plus court. D'accord. La dépression postpartum, c'est quand vraiment la tristesse, le sentiment en fait d'insécurité maternelle reste en fait. C'est-à-dire qu'elle reste dans le temps. C'est-à-dire que c'est une femme qui a du mal à sortir en fait de cet état-là. Même si des fois elle en parle ou des fois peut-être des fois elle n'a pas l'occasion de parler, mais ça dure en fait dans le temps. Alors que le baby blues, ça passe à un moment donné. C'est vraiment le temps qui change. Mais comment un homme peut bien vivre cette étape? Est-ce que vous avez des conseils? Parce que là, Pasteur Aïda, tu as parlé de l'écoute. Tu t'es confié à une autre femme. Alors qu'il y a Pasteur Elvis qui était là. Est-ce qu'il n'était pas en mesure de t'aider ou c'était pas la meilleure solution? C'est une bonne question. Oui. Bon, après, je pense que pour moi, il n'était pas en mesure de m'aider. C'était un premier. Lui-même ne comprenait pas forcément pourquoi j'avais ce sentiment-là, un peu comme elle disait, pique, un peu triste, un peu d'une manière. Donc, sur le moment, j'ai pas vraiment senti que, voilà, c'était encore un peu trop nouveau. Donc, j'ai préféré faire appel, en fait, à des personnes qui étaient passées par là, qui avaient des conseils. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a eu des conseils tous les deux. Il s'est vraiment impliqué. Donc quand il y avait des conseils, il prenait le temps lui-même d'appeler aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça chez mon mari parce que c'est pas quelqu'un qui est juste resté comme ça. Il a pris le temps d'aller demander aussi et ça a pu nous aider très rapidement à ne pas tomber justement dans la dépression. Les hommes, vous avez écouté, non? N'hésitez pas à demander, appelez les tatas. Hein. Faites. Je pense que c'est un thème. Moi, je suis vraiment sensible en fait parce que je trouve que la première grossesse, la deuxième grossesse sont les femmes, on va pas la vivre de la même façon. Et comme tu as dit, en fonction du type d'accouchement qu'on a pu avoir, comment ça s'est passé, le vécu, tout ça, ça remonte à la surface. Et j'aurais souhaité rebondir sur ce que tu as dit, Pasteur Aïda, parce que moi, ça m'a vraiment frappé de plein fouet. Pour le deuxième enfant, j'étais beaucoup plus entourée. Mon mari, il a été formidable pendant toute la grossesse, etc. Non, mais je ne fais pas des fleurs. Non, mais il a vraiment inspiré. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir un baby blues à la maternité. Et ça s'est étendu dans le temps. Et j'ai fait une dépression, en fait, du postpartum. Et du coup, dans cette dépression-là, je me disais, j'avais des pensées, mais vraiment des pensées de mort. Je me disais, si je meurs, comment mon enfant va... Mais vraiment, des trucs... ça allait très loin. Je lui en avais parlé, mais... des fois, les hommes aussi sont dans l'incompréhension, ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. C'est vrai. Mais viens, on va prier. Mais en fait, j'ai pas besoin de prier, j'ai besoin de parler. c'est exactement ça. J'ai besoin d'être écoutée. Et toutes ces pensées-là, finalement, on dit, mais finalement, je suis pas à la hauteur. En fait, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vrai. Non pas qu'on n'est pas heureux, que l'enfant soit le contraire, on est très heureux, mais il y a quelque chose qui, je sais pas. Je pense que c'est un tout, parce que parfois, il y a aussi beaucoup de fatigue. En fait, parfois, on est beaucoup fatigué. Moi, j'ai en mémoire pendant que tu parles. Cette image-là de ma fille que j'étais en train d'allaiter. Et puis pendant pratiquement une semaine, deux semaines, à chaque fois que je l'allaitais, tous les soirs, je pleurais. Je ne pouvais pas expliquer. C'est comme si j'avais besoin de décompresser. Je ne sais pas, il y avait tout qui relâchait, la pression accumulée. Et j'étais là, en fait, je pleurais. Jusqu'à ce qu'un jour, justement, j'en parle avec une maman qui m'a dit non. En fait, c'est aussi lié en fait à la fatigue, les changements dans le corps, tout se remet en place et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu vraiment des personnes pour m'écouter. Donc encore une fois, je mets l'accent sur le fait de pouvoir parler. De ne pas se recroqueviller, enfermer, de pouvoir en parler et de pouvoir aussi se laisser aider. Parce que parfois, on en parle, mais on veut pouvoir être aidé à notre façon. C'est-à-dire, en fait, alors que non, il y a des choses qu'on va te demander de faire. Moi, je sais qu'une fois, ma mère m'avait dit, écoute, fais l'effort de sortir, va prendre de l'air. Oh non, maman, je pourrais pas. Elle m'a dit non. Elle m'a limite obligée. Elle m'a contraint. Mais quand je suis allée, je suis revenue, elle m'avait dit, prends-toi un temps, va au restaurant et tout. C'était parti. Wow. C'était vraiment parti. Donc mamans, parfois, en fait, il y a des astuces comme ça qui peuvent aussi... On a parlé d'allaitement. Si on peut parler rapidement de l'allaitement. On va parler d'allaitement. Ouais, on peut. On va parler d'allaitement. On n'a pas encore parlé parce que c'est aussi un sujet de crise.
il y a des femmes qui vont allaiter, d'autres qui vont donner, comment on appelle ? Le biberon. Voilà, l'implication du père, enfin de l'autre parent. Ça peut aussi apporter des crises. Le père qui veut que son enfant soit allaité naturellement. Et la mère qui veut, non, moi ça me fatigue, j'en ai marre de pouvoir allaiter. Moi j'ai plutôt rencontré parfois le contraire. En fait, des parents qui ne sont pas, enfin des papas, qui sont pas trop pour l'allaitement parce que du coup ça modifie aussi la vie sexuelle encore une fois parce que t'as du lait qui coule, enfin toutes ces choses là, donc c'est pas agréable, voilà, faut le dire. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir avant l'accouchement, moi je pense qu'il faut en parler, savoir vraiment en fait voilà ce qu'on veut, et quand on en parle en fait vraiment savoir ce que ça va impliquer en fait, un allaitement, etc. Qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'on est d'accord, et surtout j'aime bien la question là parce que faut vraiment respecter le choix de tout un chacun. Moi, je me suis retrouvée parfois face à des personnes qui disaient non, mais voilà, elle allait encore son enfant, elle fait ça. Non. En fait, chaque maman sait ce qui est bon pour son enfant. Amen. Et si elle décide de vouloir allaiter, il faut pas aller à l'encontre. Non. Parfois, en tant que passeur, on a un peu trop d'excès de zèle. Il faut le laisser, en fait. Non, c'est vrai. Je sais que moi-même, j'ai fait des erreurs parfois et tout avant moi-même de me retrouver avec un enfant que j'ai dû allaiter pendant plus d'une année, en fait. Contre mon gré, en fait. Parce qu'elle avait certains, elle ne mangeait pas bien, et j'ai dû l'allaiter. Donc parfois, en fait, il faut pas trop être vite à vraiment, juger les gens. Laisser chacun y aller. Maintenant, dans le cadre du couple, il faut en parler parce qu'il y aura forcément des modifications. Ça demande beaucoup. Quand on allait, on est fatigué, on est épuisé, en fait. Donc ça aussi, c'est important. C'est vraiment important de pouvoir. J'allais dire, ça demande beaucoup d'énergie, l'allaitement. Et finalement, des fois, il y a des femmes qui disent, je vais allaiter 3 mois, 6 mois. Non, mais c'est vrai. Je sais de quoi tu parles. Et qui se retrouve à avoir des allaitements hyper longs. Je sais que mon premier, j'ai allaité 18 mois, c'était pas prévu, 1 an et demi, je crois, j'imagine, il avait les dents et tout. Et, non mais. Moi, c'était pareil. Voilà. Et c'était pas prévu. Parce qu'on n'arrive pas à le sevrer. Pareil, il mangeait pas forcément, bien. Et, quel conseil on peut donner justement à ces femmes qui passent par là et ces pères qui disent mais finalement ton enfant est trop sain, moi aussi j'aimerais profiter du temps avec ma femme. Lionel est mort de rire, il a compris profiter autrement. Lui. Profiter. Quel conseil, je sais pas. Ne pas culpabiliser. Je pense que dans vos deux cas, en fait, les enfants avaient besoin en fait d'avoir votre lait pour bien grandir. Je pense qu'il faut pas culpabiliser et se dire que justement c'est naturel et si on a besoin, pourquoi pas. Après, ne pas hésiter aussi à il y a des consultations d'allaitement aussi pour le sevrage. Il y a des idées, des astuces un peu que les sages-femmes ou les médecins peuvent donner à des mamans. T'en as justement des astuces à partager à nos internautes par rapport au sevrage. Oui, bien à l'allaitement. L'allaitement. Là comme ça, j'ai pas de pratiquement d'astuces à donner. Mais après, il faut faire avec le bébé. Et puis chaque jour n'est pas le même. En fait, c'est un enfant, il faut des fois refaire 2 jours après. Il faut peut-être des fois chauffer le lait. Des fois, il faut changer la tétine et la vitesse de la tétine. Il y a tellement de paramètres que en gros, ça prend presque des fois une heure de consultation rien que de tout faire en fait. Il faut pas être seul. Moi, je sais que par exemple, ta belle-mère, ma maman, elle nous disait, vu que c'est allaitement voie naturelle, Déoda boit beaucoup d'eau chaude ou du thé pour réchauffer le lait ou pour la montée de lait, je crois. Il est trop fort. Moi, c'était mange beaucoup de pâtes d'arachide, ça permet de pouvoir pour avoir du lait. La pâte d'arachide, les amandes et tout, pour pouvoir la bière sans alcool. Moi, j'ai pas fait ça. Allait plus riche, c'est ça? Comment? Pour avoir un lait, quoi. Pour non, l'allaitement, pour la coupe de lait. D'accord. Parce qu'il y a des mamans qui veulent allaiter, elles sont volontaires. Mais en fait, le lait, ça sort pas, en fait. Ou ça sort que un petit peu. Donc, il y a des techniques qu'on peut donner. Moi, je sais que maman parlait beaucoup de la pâte des arachides, en fait. Ou les amandes et tout. Et honnêtement, moi, j'avais pas à me plaindre. Elles ont des bières sans alcool aussi. Bières sans alcool. et le tire-lait aussi. Le tire-lait, parce que l'allaitement, en fait, c'est plus tu stimules et plus tu as du lait. Donc, des fois, en fait, si on a un enfant qui peut-être manque de force ou s'endort rapidement, il faut utiliser un tire-lait aussi après chaque tétée. Après chaque tétée pour augmenter la production. Si toutefois, il y a une baisse. Et il faut se reposer aussi parce que la fatigue aussi diminue. D'accord. Je pense que le tire-lait, ça permet aussi de soulager la maman. Oui. Comme ça, le papa, il peut lui donner le biberon avec le lait maternel. Si l'enfant accepte. Les hommes, prenons des tire-laits. Comme ça, on va aider. Comme ça, c'est la paix aussi.
pas les, je pense pas les marques archaïques, parce qu'il y en a, la pharmacie m'a donné, c'était une boîte, elle a dû faire, c'était énorme, je crois qu'elle faisait du bruit aussi. Après, et le bruit qu'elle faisait, mais c'était archi pas discret. Du coup, quand, on se voit à la maison, mais les gens disaient, bam, bam, bam. Non, l'assistante respiratoire, quoi, c'est. Bah, après, elle paraît quand même un peu lourd, hein. Oui, donc, c'est ça, ça, c'est ça. Du coup, j'ai investi dans un tire-lait beaucoup plus ergonomique et plus, plus petit. Et ça soulage vraiment, ça, ça aide. Ouais. Et donc, j'ai une autre question pour vous, mesdames. On a parlé du baby blues, on a donné des conseils, on a parlé donc de la grossesse, on a parlé de la sexualité. J'ai une autre question, en fait. Comment... C'est quoi ma question ? Si tu la connais pas, c'est pas dans ma tête. J'ai perdu ma question. Ça, ça arrive. Reviens, c'est bon. Des fois, t'as une question. Je suis vraiment désolée, tu t'as ajouté quelque chose, c'est une question. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, t'as pas... comment je peux formuler ma question ? Par rapport, ça fait pas une question, mais ça vraiment des conseils. Quels conseils, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut vraiment que les internautes retiennent, en fait, de nos échanges et de tout ce qui a pu être dit dans cette émission édifiante ? Amen. Bon, on a dit beaucoup de choses. Je crois qu'il faut retenir que c'est important de se former. Mmh. On a parlé beaucoup de connaissances. Et je crois que c'est un point majeur, un point clé. Je pense qu'on a parlé d'être à l'écoute avec Estelle, être à l'écoute de son corps, le fait que le père doit s'impliquer dans la grossesse de la femme, dans l'accouchement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots-clés. Hein. On a dit beaucoup de choses. En vrai, tout est important. Soyez vraiment prompte à prendre un petit cahier, écrire, mais plus sincèrement, la formation va aider beaucoup. C'est ça. Le fait de vraiment essayer de connaître, de comprendre ce qui se passe, ça va beaucoup aider. À chaque étape, se renseigner au maximum, ne pas juste dire « elle me saoule à me demander des choses ». Non, non, c'est vraiment essayer de comprendre l'autre. Si vous allez vraiment ensemble passer l'étape-là, et puis après, pour les autres, ce sera plus facile. Amen. Même si chaque enfant est quand même différent. Exactement, chaque grossesse est différente. Merci pour cette belle conclusion. Chers internautes, on se retrouve pour la rubrique « À vous la parole ». À vous la parole, c'est la rubrique où on prie avec vous et pour vous. Amen. Et nous avons donc des sujets de prière qui vont, je suis sûre, vous bénir et vous permettre de vous dépasser et d'aller au-delà de vos difficultés. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, pour ce premier sujet, est-ce qu'on peut écouter le premier sujet, s'il vous plaît? Alors, nous avons le sujet d'un couple qui aimerait qu'on prie pour le rétablissement de la communication dans leur couple, car depuis l'arrivée de leur enfant, l'harmonie n'est plus au beau fixe et ils ont du mal à se comprendre. Amen. Wow. Pasteur Aïda. Oui, je vais prier. Merci. Éternel, mon Dieu, je vais vraiment bénir ton nom pour ce couple déjà que tu as suscité. Alors qu'ils sont en train de passer par des temps difficiles où la communication est totalement rompue dans leur foyer, je prie que tu puisses les aider, Seigneur, à pouvoir retrouver le bon chemin, le chemin, Seigneur, de l'harmonie, le chemin de l'unité dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sont en train de passer par des moments très, très difficiles et j'ai en mémoire ce texte qui dit « Tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. » Je déclare, Seigneur, que ce feu, cette tempête ne servira qu'à les faire aller de l'avant. Je prie qu'ils puissent tirer un maximum de profit, un maximum de témoignages de ces moments et qu'ils puissent se retrouver, Seigneur, dans une harmonie parfaite et totale dans leur couple, dans le nom de Jésus. J'ai à cœur de vraiment prier pour cette femme, Seigneur, qui se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus mon mari. Ce mari qui se dit, je ne reconnais plus ma femme. Tu es celui qui étend ta main et qui touche, qui sait restaurer, Seigneur. Merci parce que tu restaures totalement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Avant qu'on nous lise le deuxième sujet, j'aimerais vraiment vous encourager à sceller toutes ces paroles qui sont données ici, toutes ces bénédictions, par une offrande, par cet acte prophétique. Donc, si tu veux vraiment te raccrocher à l'onction, à la grâce qui est là sur le plateau, scelle cela par ton offrande. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut entendre le deuxième sujet de prière, s'il vous plaît? Alors, nous avons le sujet d'une femme qui aimerait qu'on prie pour que son corps se rétablisse, parce que depuis l'accouchement, depuis sa césarienne, elle ne s'est pas remise. Amen. Wow. Amen. Je vais élever ma voix. Ce sujet me tient particulièrement à cœur. Il me touche.
Oh Seigneur, je veux vraiment faire appel à toi, Saint-Esprit. De la même façon que tu as fait pour moi, tu m'as guéri alors que vraiment cette césarienne semblait m'avoir abîmée, alors que je n'avais plus de force. Tu es venu à mon secours, je prie que tu puisses le faire pour cette femme. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui envoie ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole vient guérir. Je viens vraiment prendre autorité sur toute forme de douleur dans son corps. Dans le nom de Jésus, j'impose la parole de Dieu comme autorité finale. Et je déclare que ce mal la quitte totalement. Je te remercie pour le témoignage qui s'ensuit. Merci pour la force physique, la force spirituelle, la force morale que tu donnes à cette femme pour vraiment sortir de ces temps avec un témoignage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Ouf. Purée. Amen. Amen. Nous allons passer donc à notre dernier sujet de prière. On vous écoute. Alors, prier pour les femmes qui vivent le baby blues. Wow. Amen. 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 Estelle, est-ce que tu pries pour ça, justement? Amen, amen. Seigneur, nous te prions vraiment pour toutes les femmes qui passent par des temps difficiles dans leurs émotions. Seigneur, tu sais que ce n'est pas forcément évident, que ce sont de nouvelles choses que nous vivons dans nos corps. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie, celui qui nous permet d'être des femmes solides, des femmes capables de remonter cette pente, de ne pas glisser vers la dépression, de ne pas glisser, Seigneur, vers la détresse permanente, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta force, ta capacité en nous qui nous rassure, nous donne la capacité d'être de bonnes mamans, des bonnes femmes, des bonnes épouses, Seigneur, dans notre foyer. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que la puissance est en nous, car tu es en nous également. Amen. C'est le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pasteur Ida, est-ce que tu peux prier particulièrement pour toutes ces personnes qui ont semé durant cette émission, s'il te plaît? Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission et qui ont eu à cœur de pouvoir semer. Père éternel, je peux voir cette femme qui, alors qu'elle sème, est venue se dire, au travers de mon offrande, je veux pouvoir tomber enceinte. Je prie dans le nom de Jésus que cette semence soit un point de contact. Merci Père éternel, parce que je crois également qu'il y aura un témoignage dans la vie de cette femme. Je prie pour tous les hommes également qui ont suivi cette émission, qui sont venus semer avec pour penser de se dire, je vais rétablir l'harmonie dans mon foyer, je vais rétablir l'harmonie dans mon couple. Seigneur, merci parce que tu donnes cette force, cette paix que nul ne peut donner, cette paix qui surpasse toute intelligence pour vraiment que les foyers soient davantage solides. Je crois dans les miracles qui vont se produire après cette émission. Quelqu'un se demande, mais comment ma semence va produire un miracle dans ma vie? Je crois que Dieu est tout puissant. Alors qu'on se connecte à la grâce sur cette plateforme qu'est Évangile TV, je crois, Seigneur, que tu es capable d'emmener toute situation qui voulait tenir à fléchir devant la puissance de ton nom. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui se mobilisent pour semer, qui ont semé déjà. Je prie que dans leur vie, il se passe de grandes choses, qu'il y ait vraiment témoignage sur témoignage, qu'il y ait vraiment, vraiment grâce sur grâce. Seigneur, merci pour tous les foyers qui vont retrouver l'harmonie et qui enverront leur témoignage. Parce que oui, nous voulons entendre vos témoignages. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Wow. Quelle émission. Quelle émission. Quelle émission. J'ai beaucoup appris. Nous avons été édifiés, bénis et surtout instruits. Et comme l'a dit si bien le pasteur Aïda tout au long de nos échanges, ajoutez à votre foi la connaissance. Et c'est vraiment la clé. Moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu de tout ce que nous avons dit. Et ce sont des choses, la connaissance est très, très importante. Ah, c'est vrai. Parce qu'elle permet justement de pallier aux différents manques. Voilà, c'est ça, et d'instruire en fait. Et je pense que vous avez été instruit sur ce thème, qui est un thème édifiant au possible. J'arrête pas de me répéter, mais vraiment le thème du jour, c'était quelque chose. Et Estelle, en tout cas, tu nous as vraiment bénis. Estelle est sage-femme, hein, comme elle l'a dit, du coup, par son expérience, nous avons été bénis par toute sa connaissance du métier. Parce qu'on va le dire, sage-femme, c'est pas un métier facile. Ça me fait tellement, moi, je trouve que c'est gratifiant. On assiste au premier instant, on vit des choses, on vit avec des couples, ces moments qui sont absolument inoubliables et il faut les vivre pour
le comprendre. Et oui, Pasteur Aïda, qui par sa grâce et par son onction, sa connaissance de la parole et de son expérience en tant que maman, je parle beaucoup, désolé, mais là... Vas-y, c'est le cœur qui parle, vas-y. Amen. Et en tant que maman, vraiment, moi, tu m'as vraiment bénie. Amen. Et après, il faut aller au-delà et aussi demander de l'aide. Amen. Merci à vous. Merci. Chers hommes, j'espère que vous avez été bénis. J'aimerais que maintenant dans le chat, s'il vous plaît, femmes comme hommes, mettez des flammes, acclamez pour ce plateau, acclamez pour nos invités, parce que cette émission, je pense qu'elle a béni plusieurs personnes. Moi, personnellement, je me suis retrouvé et comme disait Pasteur Aïda, la connaissance est importante. Et je me rends compte que sans cette connaissance-là, bah, y a certaines choses que j'ai pu vivre. Alors que si j'ai cette connaissance, j'allais te faciliter la vie, en fait. Clairement, donc, soyons vraiment des facilitateurs pour nos femmes. Amen. Soyez des facilitateurs pour vos maris. Amen. Vraiment, vous pouvez retrouver Pasteur Aïda Moussavou et Estelle Soro dans les ministères ACR à Rennes, où elles exercent. Oui. Merci encore d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Chers internautes, vraiment des bons moments. Merci d'avoir regardé ce live, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir semé, merci d'avoir participé. Merci pour la force et surtout gardez ce que vous avez reçu. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission préférée et Il veut que heureux. Nous vous disons à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.